Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui on est près de chez moi. Voilà, on a les gilets jaunes qui sont là. Et c'est avec grand plaisir que je suis venue les retrouver. Comme vous voyez, ils sont. Les gens sont là et ils klaxonnent. On est tous avec eux. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Genre là, actuellement, à l'heure actuelle, vous attendez quoi exactement? Parce qu'il y en a qui demandent juste à être entendus par le gouvernement. Mais juste ça? Oui, enfin pour toutes les taxes et tout. Oui, et si jamais il venait à descendre, parce qu'il a dit qu'il ne descendrait pas, hein? Mais si jamais il venait à descendre, est-ce que vous arrêteriez? S'ils enlèvent tout, oui. Toutes les taxes? Vous arrêtez? Voilà. Et pour la signature à Marrakech qu'il va faire pour vendre la France à l'ONU, vous en pensez quoi? On m'a dit que c'était des bêtises. Des bêtises? D'accord. J'ai vu le reportage. C'est vrai qu'il y a un peu tout et n'importe quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font? Il ne peut pas vendre la France, c'est impossible. Vous savez? Il est en train de mettre le bazar dans la France entière en ce moment, donc il peut faire un acte. Voilà. Donc vous ne lèverez pas le camp tant qu'il n'y aura pas quelque chose. Exactement. Vous lèverez. Vous avez pire. C'est très bien. Et vous êtes combien là en ce moment? Oui. C'est encore moins que ça, mais bon. Vous êtes combien et depuis combien de temps là? Il y en a qui sont partis, il y en a qui reviennent. Vous faites des virements? Samedi, il va y avoir beaucoup de monde. Ici? Samedi et dimanche. D'accord. Et ils font quoi les gens derrière? Ils sont en train de casser quoi? Ah, c'est pour faire le feu. Oui, parce que vous avez l'intention de camper. Vous campez ici aussi? Pas moi, mais il y en a, oui. Les hommes. Voilà. Les hommes? C'est bien. Ils sont là depuis 5 heures du matin avant-hier. Oui, ma fille, elle vous a vu. Elle a dit, oh là là, j'ai eu de la peine pour eux. Ils avaient froid et tout, et j'ai eu de la peine pour eux. Et elle a dit, et puis au retour, quand je suis passée, il y avait des cabanes et tout, donc ça allait mieux. Nous, les soutenir, parce ouais. Que nous, on ne peut pas rester assez trop. Mais on revient le lendemain. Mais ça fait pas longtemps que vous êtes installée là. Ça fait 2 jours. Ah oui. Sinon, moi, je serais venue depuis longtemps, mais je ne vous avais pas vu encore. Je crois que depuis lundi, hein. Lundi, il y en a 3 qui sont venus et ah, oh, ben, c'est bien. Je vais retrouver mon gilet jaune. Et quand je... Là, on est mercredi, il y a mon fils, mais quand je... Par exemple, demain, en venant chez le dentiste, je viendrai vous faire un petit coucou et on reparlera encore. Hein. Merci pour la commune, qui nous amène. C'est normal, il faut se soutenir. Hein. Dans des cas pareils, il faut se soutenir. Hein. Là, c'est vraiment important. C'est important. Voilà. Moi, c'est ma petite contribution pour aujourd'hui. Voilà. Chacun à sa façon. En plus, on en a. Il fait pas froid pour l'instant. Le soir, ça caille. Ouais. Il y a des solutions très simples et il y a des tas qu'on ne sait pas, qu'on n'est pas au courant. On nous plante des lois, c'est pareil, il faut aller de l'avant. Il faut avancer, il faut être serein, il faut être solidaire. Voilà. Et moi, c'est Wilfried. Et je voulais juste remercier quand même quelque chose qui est important, tous les concitoyens qui sont très solidaires avec nous. Merci vraiment de nous avoir unis. Parce qu'on sait qu'on leur donne beaucoup plus de travail, mais ils sont présents avec nous, ils passent toutes les heures, voir si on va bien, s'il n'y a pas de problème de sécurité, tout ça. On est désolé aux forces de l'ordre, on sait qu'on leur donne beaucoup plus de travail, mais quand même on est heureux qu'ils soient avec nous parce qu'on sait que derrière leur gilet, ben, il y a des citoyens et eux aussi n'ont pas les moyens qu'ils mériteraient d'avoir et le pouvoir qu'ils mériteraient d'avoir. Donc on est avec eux aussi et c'est vraiment un mouvement de cœur et un mouvement uni. Et je tiens à le dire. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous serez en live sur Facebook, ça vous dérange pas? Pas de soucis. Ok. C'est septembre à Nice. J'étais le week-end dernier. J'étais pas sur un rond-point, je me suis mis place Masséna. Place Masséna, on avait fait une petite journée.
soirée. On avait proposé de descendre nos gilets jaunes, s'ils descendaient leurs étendards pour faire un tous ensemble, tout ce pas fait en fait. Donc du coup, après, tout le monde a prêché pour sa paroisse. Et on est donc assez divisé. Je crois que ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'il y a une solidarité, il y a tous les gens qui sont en train de se mettre en place, les routiers, les agriculteurs. C'est la France qui travaille, qui est là dans la rue. On a tous la même revendication. Alors il y a le pouvoir d'achat, c'est parti peut-être par rapport à ces taxes sur le carburant. Mais en général, on souffre. On va commencer à nos enfants. Aujourd'hui, on fait des propositions complètement hallucinantes. Et on propose un moratoire et on verra ça sur, dans 6 mois. Le problème, c'est qu'on n'en veut pas. On veut des réponses fermes et définitives. De l'argent, il y en a. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller le chercher. On en a marre de travailler pour 2002, 2003 et on verra découvert. Bon, ben voilà, comme vous avez pu voir, il y a eu un petit bug. Je ne sais pas trop quelles en sont les raisons. Mais vous pouvez voir que tout le monde ici est solidaire avec les gilets jaunes. Ça fait 2 jours qu'ils sont là. Et tout le monde est solidaire avec les gilets jaunes. Donc voilà, je vous souhaite une bonne après-midi et à bientôt.